السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أصدقائي على قناتكم لتعلم اللغة الفرنسية. أما بالنسبة لدرس اليوم أصدقائي فهو عبارة عن مجموعة من الجمل والعبارات التي نحتاجها في حياتنا اليومية. حتى لا أطيل عليكم لنبدأ. الآن عزيزي المشاهد استمع جيدا لهذه الجملة. Il dit qu'il est malade, mais c'est un prétexte pour ne pas venir avec nous. Il dit qu'il est malade, mais c'est un prétexte pour ne pas venir avec nous. Voilà la phrase. Il dit qu'il est malade, mais c'est un prétexte pour ne pas venir avec nous. En arabe, هو يقول أنه مريض لكن هذه فقط ذريعة أو حجة لعدم مجيئه معنا أو لعدم المجيء معنا. Prétexte, ça c'est un nom masculin, signifie fausse raison qui cache la vérité. Un prétexte, يعني اسم مذكر معناه حجة أو ذريعة لإخفاء السبب الحقيقي وراء شيء ما. Il dit qu'il est malade, mais c'est un prétexte pour ne pas venir avec nous. La cause de son échec est inexplicable. Elle avait pourtant beaucoup travaillé. La cause de son échec est inexplicable. Elle avait pourtant beaucoup travaillé. Voilà la phrase. La cause de son échec est inexplicable. Elle avait pourtant beaucoup travaillé. En arabe, سبب فشلها لا يمكن تفسيره بالرغم من أنها عملت كثيرا. La cause, يعني السبب, échec هو فشل, inexplicable, يعني qui ne peut pas être expliqué, يعني ما لا يمكن تفسيره. Ça c'est un adjectif, صفة. Pourtant, معناها بالرغم. La cause de son échec est inexplicable. Elle avait pourtant beaucoup travaillé. Depuis que nous nous sommes disputés, elle se comporte différemment avec moi. Depuis que nous sommes disputés, elle se comporte différemment avec moi. Voilà la phrase. Depuis que nous sommes disputés, elle se comporte différemment avec moi. En arabe, منذ أن تجادلنا أو تنازعنا هي تتصرف بشكل مختلف معي. On a le verbe se disputer, معناه هي تجادل. Le verbe se comporter signifie يتصرف. Différemment, ça c'est un adverbe, signifie de manière différente, يعني بشكل مختلف. بالرغم من أنها تكتب بالأ ولكن في النطق نقول différemment. Différemment. Depuis que nous sommes disputés, elle se comporte différemment avec moi. Tes prévisions sur le résultat du match étaient fausses. Tes prévisions sur le résultat du match étaient fausses. Voilà la phrase. Tes prévisions sur le résultat du match étaient fausses. En arabe, توقعاتك حول نتائج المباراة كانت خاطئة. Les prévisions signifient ce que l'on prévoit, يعني ما نتوقعه, يعني توقعات. Tes prévisions sur le résultat du match étaient fausses. Ils se disputent car ils ont des idées trop discordante. Ils se disputent car ils ont des idées trop discordantes. Voilà la phrase. Ils se disputent car ils ont des idées trop discordantes. En arabe, هم يتجادلون لأن لديهم أفكار متضاربة جدا. L'adjectif discordante signifie
qui n'est pas en accord avec autre chose. يعني الذي لا يتوافق مع شيء آخر. إذن معنى هذه الكلمة أو هذه الصفة يعني متضارب يعني متنافر يعني لا يتوافق. Ils se disputent car ils ont des idées trop discordantes. Je suis passée discrètement à côté de lui sans me faire remarquer. Je suis passée discrètement à côté de lui sans me faire remarquer. Voilà la phrase. Je suis passée discrètement à côté de lui sans me faire remarquer. On a l'adverbe discrètement signifie de manière discrète, يعني بشكل حذر. إذن هذه الكلمة معناها بشكل حذر أو بحذر. أنا غاب مررت بحذر بجانبه دون أن يلاحظني. Je me suis passé discrètement à côté de lui sans me faire remarquer. Par discrétion, il est sorti de la pièce quand ma sœur est entrée pour me raconter ses soucis. Par discrétion, il est sorti de la pièce quand ma sœur est entrée pour me raconter ses soucis. Voilà la phrase. Par discrétion, il est sorti de la pièce quand ma sœur est entrée pour me raconter ses soucis. En arabe, بسرية هو خرج من الغرفة عندما دخلت أختي لتحكي لي أو لتخبرني عن مشاكلها. On a le nom féminin discrétion, اسم مؤنث signifie attitude d'une personne discrète. Ça c'est le premier sens, هذا المعنى الأول. معناه موقف من شخص يتصرف بسرية أو بكتمان. هذا المعنى الأول. Et le deuxième sens c'est attitude d'une personne qui sait garder un secret. والمعنى الثاني لهذه الكلمة هو موقف من الشخص الذي يعرف كيف يحافظ على السر. يعني يكتم السر. إذن هذه الكلمة لديها استعمالين. أولا السرية والكتمان في الحفاظ على الأسرار. ثاني معنى هو الشخص الذي يتصرف بسرية. Par discrétion, il est sorti de la pièce quand ma sœur est entrée pour me raconter ses soucis. Soucis معناها هموم, مشاكل أو مخاوف. C'est une personne très enthousiaste. On se sent bien avec elle. C'est une personne très enthousiaste. On se sent bien avec elle. Voilà la phrase. C'est une personne très enthousiaste. On se sent bien avec elle. En arabe, il y a شخصٌ متحمس للغاية نشعر معها بأننا بحالة جيدة. Enthousiaste, ça c'est un adjectif. On l'utilise pour le féminin et en même temps pour le masculin. Signifie qui est plein de joie. En arabe, الشخص الممتلئ بالفرح يعني متحمس, enthousiaste. C'est une personne très enthousiaste, on se sent bien avec elle. Son arrivée coïncide avec le départ de Sami. Son arrivée coïncide avec le départ de Sami. Voilà la phrase. Son arrivée coïncide avec le départ de Sami. En arabe, وصولها يصادف أو يتزامن مع رحيل سامي. On a déjà vu le verbe coïncider, معناه يصادف أو يتزامن. Son arrivée coïncide avec le départ de Sami. Je suis en conflit avec Nada sur ce sujet. Je suis en conflit avec Nada sur ce sujet. Voilà la phrase. Je suis en conflit avec Nada sur ce sujet.
En arabe, أنا في صراع مع ندى حول هذا الموضوع. Conflit, ça c'est un nom masculin, signifie opposition de point de vue. En arabe, معارضة في وجهة النظر. إذن هذه الكلمة معناها صراع, تضارب, نزاع. Conflit. Je suis en conflit avec Nada sur ce sujet. Ahmed me rendra compte de tout ce qui s'est passé en mon absence. Ahmed me rendra compte de tout ce qui s'est passé en mon absence. Voilà la phrase. Ahmed me rendra compte de tout ce qui s'est passé en mon absence. L'expression « rendre compte de quelque chose » signifie « en parler de détails ». هذه العبارة معناها التحدث بالتفصيل عن شيء ما. إذن يمكن القول أن هذه العبارة تعني إعطاء تقرير عن شيء ما. معنى هذه الجملة أحمد سيعطيني تقريرا أو هو سيسرد لي كل ما حدث في غيابي. أحمد me rendra compte de tout ce qui s'est passé en mon absence. Je me suis rendu compte de mon retard quand la cloche a sonné. Je me suis rendu compte de mon retard quand la cloche a sonné. Voilà la phrase. Je me suis rendu compte de mon retard quand la cloche a sonné. L'expression se rendre compte de quelque chose معناها إدراك شيء ما. إذن هذه العبارة معناها أدركت تأخري عندما رن الجرس. إذن عبارة se rendre compte يعني إدراك عندما تدرك شيء ما. Je me suis rendu compte de mon retard quand la cloche a sonné. Je sais, ça va la tracasser toute la journée. Je sais, ça va la tracasser toute la journée. Voilà la phrase. Je sais, ça va la tracasser toute la journée. هذه الجملة معناها أنا أعلم أنه سيقلقها طوال اليوم. Le premier verbe, c'est le verbe savoir, je sais, conjugué au présent de l'indicatif. Aussi, on a le verbe tracasser, معناه يقلق. Ça veut dire causer du souci. يقلق. Je sais, ça va la tracasser toute la journée. Tu doutais de sa venue. Alors, je te le confirme, elle arrive. Tu doutais de sa venue, alors je te le confirme, elle arrive. Voilà la phrase. Tu doutais de sa venue, alors je te le confirme, elle arrive. En arabe, لقد شككت في مجيئها, إذن أنا أؤكد لك إنها قادمة. Le premier verbe, c'est le verbe douter, conjugué à l'imparfait, ou le fa'l ou fa'l, yushakiku ou yashuku, musarraf fil madi an-naqis, sa venue, yani maji'uha, alors yani idhan, et le verbe confirmer, conjugué au présent de l'indicatif, ma'naha yu'akkidu, et le verbe arriver, ma'naha yassilu. Tu doutais de sa venue, alors je te le confirme, elle arrive. J'ai arrêté mes médicaments parce qu'ils me font sentir renfermée. Je répète, j'ai arrêté mes médicaments parce qu'ils me font sentir renfermée. Voilà la phrase. J'ai arrêté mes médicaments parce qu'ils me font sentir renfermée. En arabe, توقفت عن تناول الأدوية لأنها تجعلني أشعر بالعزلة. On a le verbe arrêter, aussi on a le verbe faire,
ils me font, conjugué au présent de l'indicatif. Aussi, on a le verbe sentir, معناه يشعر, et l'adjectif renfermé, معناه منعزل, يعني الشخص الذي لا يحب أن يخالط الناس, لا يتواصل معهم. يمكن القول الشخص المنطوي على نفسه. J'ai arrêté mes médicaments parce qu'ils me font sentir renfermé. On a fait des reproches à Nada sur sa paresse. On a fait des reproches à Nada sur sa paresse. Voilà la phrase. On a fait des reproches à Nada sur sa paresse. En arabe, لقد قمنا بإلقاء اللوم أو لقد عاتبنا ندى على كسلها. Reproche معناها لوم أو عتاب. On a fait des reproches à Nada sur sa paresse. Paresse يعني الكسل. Ce message est confidentiel. Tu ne dois le montrer à personne. Ce message est confidentiel. Tu ne dois le montrer à personne. Voilà la phrase. Ce message est confidentiel. Tu ne dois le montrer à personne. En arabe, هذه الرسالة سرية. L'adjectif confidentiel signifie secret, يعني سري. Tu dois le montrer. يجب ألا تظهره لأي شخص. هذه الرسالة سرية. عليك ألا تظهرها لأي شخص. Ce message est confidentiel. Tu dois le montrer à personne. Je suis déçu de ne pas avoir vu ma copine. Je suis déçu de ne pas avoir vu ma copine. Voilà la phrase. Je suis déçu de ne pas avoir vu ma copine. En arabe, أنا أشعر بخيبة أمل لعدم رؤية صديقتي. On a l'adjectif déçu signifie qui connaît une déception, يعني من يعاني من خيبة أمل أو الشخص الذي خاب ظنه. Je suis déçu de ne pas avoir vu ma copine. Il faut accélérer l'allure, sinon on sera en retard. Il faut accélérer l'allure, sinon on sera en retard. Voilà la phrase. Il faut accélérer l'allure, sinon on sera en retard. En arabe, عليك تسريع الوتيرة وإلا سوف نتأخر. Allure signifie la vitesse, ولكن في هذه الجملة لا يمكن أن نقول عليك تسريع السرعة. نقول فقط عليك تسريع الوتيرة, يعني وتيرة السرعة, وإلا سوف نتأخر. Il faut accélérer l'allure, sinon on sera en retard. J'éprouve de la tristesse depuis que Samia a déménagé. J'éprouve de la tristesse depuis que Samia a déménagé. Voilà la phrase. J'éprouve de la tristesse depuis que Samia a déménagé. On a le verbe éprouver signifie avoir en soi un sentiment ou une sensation. هذا الفعل مصرف في الحاضر الدلالي, le présent de l'indicatif, معناه يشعر, éprouver. J'éprouve de la tristesse depuis que Samia a déménagé. Et voilà, chers amis, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous avez aimé la leçon d'aujourd'hui. Mais avant de vous quitter, écoutez bien cette phrase. Tu peux compter sur ma discrétion. Je ne dirai rien à personne. Tu peux compter sur ma discrétion. Je ne dirai rien à personne. Écrivez-moi dans les commentaires la phrase que vous avez entendue et si vous avez des questions ou des propositions, n'hésitez pas de les écrire. À la prochaine, inshallah. Wassalamu alaikum.